Ok yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un défi qui va être compliqué, je vous le dis d'avance et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, mon objectif ça va être de faire top 1 uniquement avec le nombre de matériaux que je pourrais avoir sur l'île de départ. Ce défi c'est Sacha qui me l'a proposé, il m'a dit défi intéressant, un peu compliqué, c'est de n'avoir le droit qu'au nombre de matériaux que tu as farmé sur l'île de départ. Par exemple, si tu farmes 220 de pierre et 67 de bois, tu as le droit à l'arrondi près, à 220 de pierre et 70 de bois, j'espère que t'as compris. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, tout ce que je vais faire c'est lancer une game et je vais atterrir dans le lobby avant que le bus parte en game. Je vais farmer le maximum pendant que je suis dans le lobby. Comme l'a dit Sacha, si j'arrive à avoir, je sais pas, 300 de bois et 100 de pierre, bah pendant toute la game, je pourrais avoir maximum 300 de bois et 100 de pierre. Évidemment, si je ramasse des matériaux sur les ennemis, bah je les lâcherai et je ferai en sorte d'avoir 300 et 100. Enfin bref, j'ai trouvé ce défi vraiment hyper intéressant, je l'avais jamais fait, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Merci Sacha pour ton idée, n'hésitez pas à en proposer d'autres dans les commentaires et sur ce, let's go. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas, en haut à droite, boutique d'objets, en bas à droite, soutenir un créateur et là tu rentres Zfar, Z-E-T-F-A-R. Merci à toi si tu le mets, on est parti. Oh merde, vite, 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 1 minute 30. Allez, c'est parti. Non, laisse ma pierre, toi. Oh là là, punaise, j'étais pas prêt, j'avais même pas la manette en main. Ok, ça, ça fait plaisir. Sans. Oh nice, je peux farmer. Laissez-moi tranquille. Ok, c'est bien, tout ce que je peux prendre maintenant. Oh, je vais farmer toute la pierre ici. Laisse-moi tranquille. Oh, il met plein de dégâts, ma pierre. Oh, si je peux avoir encore 56 secondes, ça serait trop bien. Non, mais l'autre, il met plein de dégâts à ma pierre. Oh là 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 là, je suis Gucci gang. Oh, je suis Gucci. En vrai, je vous cache pas que j'ai eu de la chance parce que d'habitude, la game, elle se lance au bout de 15 secondes. En vrai, je dis ça, mais finalement, là, pour l'instant, j'ai 600 et c'est pas tant que ça pour toute une game et pour tout un fight. Par contre, faut que quelqu'un me dise si jamais vous avez déjà eu ça dans le lobby, presque 1000 de maths. Ça m'était jamais arrivé. Allez, vite, le max. Ok, faut que je regarde. 115 et 875. Donc on va arrondir, ça fait 120 de bois et 880 de pierre. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Et par contre le métal c'est 0, ça veut dire que de toute la game, aucun métal possible. Je vais aller me battre à Faulty Split, allez c'est parti. En vrai je trouve le début de game il va pas être si problématique que ça, dans la mesure où au début de game on n'utilise pas tellement les maths, c'est plus l'intelligence et les armes. Oh let's go, la scar bleue. Donc vous voyez là par exemple j'ai déjà presque 120 de bois, donc dès que je ramasse du bois bah je devrais le lâcher. Voilà, au niveau du bois je suis full, enfin j'en ai même trop, je vais en lâcher 30, le métal bah du coup je lâche tout. Et maintenant ce qu'il faut c'est que je farme 880 de pierre. Ça me fait plaisir en fait parce que Sacha il a une idée de défi que personne n'avait eu jusqu'à maintenant. Enfin peut-être que vous l'aviez mais en tout cas vous l'aviez pas proposé ou alors je l'ai pas vu. Oh c'est en train de se mettre sur la tronche, let's go. Salut les copines, vous êtes où? Oh non, non viens là s'il te plaît, pitié. Oh oui il est bloqué. Let's go. Oh. Je les boxe. Nice. J'ai plus de maths. Oh, tous les soins que je peux mettre, c'est vraiment bien ça. Nice, let's go. Ok. Bon, les ennemis jouent vraiment bien. Va falloir que je me méfie pendant la game. D'ailleurs, si tout se passe bien, la prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne secondaire, ce sera du GTA ou du Minecraft ou du Fall Guys ou en tout cas un autre jeu que Fortnite. En fait, je vous explique pourquoi est-ce que là, par exemple, c'est du Fortnite et pas un autre jeu. C'est parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de copains avec qui faire de vidéos. Par exemple, Semko, il est pas là, Rico, il est pas dispo, etc., etc. Et en fait, par exemple, jouer à Minecraft tout seul, bah, ça plaît pas trop. Je préfère vraiment jouer à Minecraft avec des potes et faire des vidéos qui sont un peu plus qualitatives. C'est pour ça qu'en attendant, du coup, je fais des défis Fortnite qui, en plus, me plaisent. Oh là là, y a Semko qui me spam d'invite. En plus, au moment où je vous dis qu'il est pas dispo. Non, en fait, pour vous dire la vérité, c'est parce qu'on a prévu de faire un stream là. Mais il était pas dispo jusqu'à maintenant. Y'a un mec. Oh, moins 189. Il est con ou quoi lui? Mais pourquoi il fait ça? Je pense en fait il était désespéré, il a tenté le tout pour le tout. Ok du coup là j'ai clairement trop de bois, il m'en faut seulement 120 et pour la pierre ça va. Oh y a un autre mec, vite. Voilà, j'en ai même pris moins que ce que je pouvais. Oh là là, je l'ai arraché, let's go. Wouhou. Oh, je vais prendre le bouclier. Alors du coup, le bois, on a dit 120. Oh, 90 ou 140, c'est quoi le plus proche? En vrai, c'est 140. Vous savez quoi? Je vais quand même me mettre 140. Parce que sinon, 90, je suis trop défavorisé. Et là, je vais enlever le métal. Let's go. Affinité aérienne.
Il est vraiment cool ce renfort, parce que du coup ça permet de monter jusqu'à l'espace et de pas avoir peur de mourir de chute. Oh, il y a un mec. Moins 115, let's go. Moins 20. Aïe. Allez hop, t'es mort. En vrai, attendez, ça peut être fort ça quand même, le lance-roquette. Ouais, allez, je vais garder le lance-roquette. Quoique, il y a le marteau. Oh là là, mais attendez, au niveau des maths. En plus, je viens de build avec du métal. Au niveau des maths, je suis clairement pas bon. Ça, j'enlève. Et là, je reste comme ça. Parfait. Oh, let's go, qu'est-ce que c'est? Ah, lui, il donne des caisses de mun. J'en ai rien à faire de tes caisses de mun. T'as pas d'autre chose? En fait, c'est pour la fin de zone que ça va être le plus problématique. Parce que je sais que d'habitude, lorsque je suis en MM en fin de zone, j'ai quoi? J'ai 2000 de maths et ça m'arrive parfois de tout utiliser. Donc là, si j'en ai seulement genre 990, ça va être très compliqué. Oh, y'a un mec juste là. Il se bat avec le bot. On a un ZZ contre un ZZ là. Je savais pas qu'il y avait des mutineries au sein des ZZ. Je l'ai pas eu. Let's go. Allez, donne-moi tout ça ici. Oh, moins 99, nice. Ah mais c'est le bot qui est pas content. Alors on va faire le compte au niveau des maths. Je vais enlever ça et du coup tout le métal. Je suis plus très bien là. Ah, il est pas content en plus lui. Merde, j'ai touché quelqu'un en bas, j'ai pas fait exprès. Il est très low par contre lui. Ah, il joue super bien. Oh non, il va s'enfuir. Je suis. Je sais pas où il est allé. Oh, je suis dans la sauce. Il y a un mec là. Je sais pas, je suis dans la merde, j'ai plus rien. Ok, je me suis jeté dans les maths. Bon, je vous rassure, je vais pas utiliser tous les maths que je viens de ramasser. C'était simplement histoire d'en avoir. Maintenant, je vais lâcher tout le métal. Voilà. Pff, ça devient compliqué là. Oh, c'est pas vrai, y'a tout le monde qui me joue, je suis mort. Je suis cuit. Vite, il me faut de la pierre. J'ai jamais autant tryhard un défi. Là, je... C'est bien, ils sont en train de se fight. C'est exactement ce qu'il faut pendant que moi je farm. Allez, je suis bientôt au maximum de 880. Je sais pas si c'est le bot ou lui que j'ai touché. En tout cas, je vais rester là. Vas-y, montre-toi. Il me l'a collé. Oh merde, on a encore 3. Ils sont tous les deux devant. Et non, j'aurais pas dû lui tirer dessus lui. Mais c'est pas vrai que c'est moi qu'on focus. Mais les gars, vous êtes tous les deux à côté. Pff, punaise, j'ai plus que 600 de maths. Oh c'est chaud. Oh non, il y a quoi. Jure, y'a rien qu'à toucher. Oh, je viens de build le château de Versailles sans faire exprès. Oh non. Mais je sais pas qui me tire dessus. Oh non, je suis mort. Mais what the fuck ce que je viens de prendre? Je vais aller voir en rediff, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ce joueur? Allez, téléporte-toi, bien joué. Non, attendez, je vais voir. C'est pas possible ce que je viens de prendre. Ok, c'est ici le moment du crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends toujours pas comment j'ai pu prendre un truc pareil. Vous savez quoi? On va se mettre sur la POV de l'ennemi. Donc, qui est lui? Ok, c'est parti. Donc là, avec son bot, il décide de venir au-dessus de moi et de me spam. Bon, jusque-là, il y a pas de problème. Moi, je pars en marteau. Et attendez, on va se marrer. Hein. Regardez, on va se marrer. Je vais me mettre en gameplay. Je vous jure, je crois qu'il m'a noscope avec son fusil Excalibur. Regardez. Ah non, il me l'a collé, punaise. Oh là là. Bon bah il a bien fait de prendre son signalement lui. Eh bah écoutez, le défi n'est pas réussi, donc il faut que je recommence. Bon, du coup c'est reparti. Là je vais refaire ma game du coup, je suis quelques jours après le tournage. Je perds pas de temps, je lance. Alors par contre juste, je savais plus, mais il y avait un tournage dans lequel j'avais dit que si je faisais pas top 1, je devais acheter le planeur, vous savez, qui coûtait 1200 V-Bucks. J'ai pas oublié et je l'ai bien acheté, il est juste là d'ailleurs. Voilà, c'est le planeur foudroyant. En tout cas, on est parti pour ce défi et j'espère que j'aurai pas mal de temps dans le lobby. Allez, c'est parti, ça commence, j'ai 1 minute 16. Oh punaise, c'est pas énorme. Enfin, si jamais j'ai les 1 minute, ça peut le faire, comme la dernière fois. Par contre, si ça finit avant, parce qu'on est 96, c'est pas ouf.
Fallait que je retourne en fait. Non, j'ai build. Vite. Non, on est 99, la game balance avant. Ouais, 13 secondes. Non. Non, bah je suis cuit, je peux jamais faire top 1 avec ça. Oh non. Je vais camper, vous imaginez même pas comment. Ou alors j'avais... Ok, 240 et 200. Donc j'ai le droit à 240 de bois et 200 de pierre. Oh punaise, ça va être impossible. Mais c'est quoi ce défi? Pourquoi j'ai voulu faire ça, moi? Ça va camper toute la game. Alors là, vous avez même pas idée. Je vais aller là-bas. C'est parti. Ok, je suis contesté par un mec. Il est où? Il est là. C'est un ZZ. Nice. Même pas, c'était un anonyme, donc c'était un vrai joueur. Bon, et eh ben écoutez, je me suis mis plutôt pas mal. J'ai 242 maths, 200, et je vais retirer le métal, comme ça, je suis pile dans ce que je dois avoir. Mon stuff, ça va. Par contre, ce qui va être clairement problématique, c'est mon nombre de matériaux. Parce que 440 pour faire un fight complet, c'est vraiment rien du tout, surtout en MM. Donc, je continue de me loot, et puis, on se retrouve tout de suite. Il y a ma cible qui est juste là. Ouah, pourquoi j'ai plus l'aim assist? Il joue très bien. Oh yes. Nice, let's go. Phase Martos. En vrai, la PM, je peux pas la laisser. C'est trop fort ce truc. Vous savez quoi, je vais la garder. Lance Rocket aussi, c'est cheaté. Ouais, j'en ai que 5. Je peux pas. Et du coup, je vais retirer tout le surplus de matériaux que j'ai. Voilà. 200, 240. Enfin, 240, 200 et 0. Qu'est-ce qu'il donne, lui? Des gros spots et des balles. Ouais, ça va ou quoi, mec? Bon, je vais camper là. En vrai, je suis plutôt pas mal. Et je vais attendre toujours les tops comme d'habitude. De toute façon, mon objectif, c'est juste le top 1. J'ai pas besoin de me fight. Bon, et écoutez, c'est à partir de maintenant que les choses vont commencer à se corser. J'ai que 400 de maths pour faire la fin de zone. Je vais rush le bâtiment qui est juste là. Go. Ok, je vais rester là comme ça, il y a des splashs. On est plus que 5, je vais me cacher dans ces trucs là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ça, je vais farmer 10 parce que chaque matériau se prend. Nice, j'ai eu le kill, let's go. On est plus que 4, je vais embêter personne. Hop là, faut que j'utilise aucun mat. Juste un. Donc il y en a deux là-bas et un sur moi. Ok. Est-ce que j'essayerai pas d'aller dans le château? Non, qui d'ailleurs n'est pas en zone. Est-ce que là il y a une petite maison? Ouais. Oh là là, la zone qui est en plein milieu de rien, ça veut dire que je vais devoir forcément build. 1v1v1. Je sais pas quoi faire. Oh non, je dois me protéger. Vas-y, je te laisse ton high. Chaque matériau est important. Je suis en zone? Non. Je suis pas en zone. Et là, est-ce que je suis en zone? Ouais. Oh, la zone avance encore. Allez, hop! Oh! Ouais, je suis mort. Il va me relancer la bûche dans la bouche. Mais l'autre, je sais pas ce qu'il me veut, hein. J'ai 10 de maths. Mais il me lâche pas! Mais pourquoi c'est moi comme ça qu'on joue? J'en ai marre. C'est un truc de fou. Non, mais en vrai, je peux pas faire plus. Vous avez vu, j'ai donné tout ce que j'avais. Les deux, ils m'ont joué. Ça n'a aucun sens. Bon, et écoutez, en tout cas, j'espère quand même que ce petit défi vous aura plu. Je peux clairement le dire, c'est certainement dans le top 3 des défis les plus compliqués que j'ai eu à faire sur cette chaîne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas réussi. N'hésitez pas à en proposer plein d'autres dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!